Décevant ces Romains. J'y croyais plus fort que ça. Bravo, bravo! Regardez, j'ai trouvé comment entrer dans le petit Vénitia. Il faut remettre en marche ces bateaux-mouches. Des bateaux-mouches, n'importe quoi. Ils sont fous, ces Romains.
Ouvre cette porte, soldat. Nous devons passer. Désolé, messieurs, ça va pas être possible. Laisse, Astérix. Je vais payer de ma personne et je vais casser cette porte. Impossible, Gaulois, même si vous avez une force surhumaine. Ce dont je doute, vu qu'on est dans la vraie vie. Eh bien, même avec une telle force, ce ne serait pas possible. Cette porte est indestructible. Alors revenez donc me voir quand vous aurez de quoi payer. Parce que là, ça va pas être possible. Ave, César! Ave aussi, centurion Larry Craft. Alors, quelles sont les nouvelles? J'en ai deux, César. Une bonne et une mauvaise. J'aime pas trop les nouvelles qui vont par deux, Larry Craft. Ça me rappelle deux irréductibles Gaulois que j'ai connus en Armorique. Justement, César, Sam Fisher a prévenu le village gaulois de notre opération. Il est en ce moment même avec deux guerriers dans Las Vegum. Par Jupiter! Il a ramené Astérix et Obélix. Je ne connais pas leur nom, noble César. Il y a un petit moustachu et un gros à rayures. Ah ! Il faut les arrêter, par n'importe quel moyen. Envoie toutes les troupes disponibles. Par Junon, Larry Craft, lève-toi et marche.
Oui, ils n'ont eu que ce qu'ils méritaient. Regardez-moi ça, Gaulois. Une ville construite avec de l'eau dans les rues. On se demande où ils vont chercher tout ça. En tout cas, vous voilà proche du druide à délivrer. Vous voyez cette dalle au fond du canal? Elle n'a pas l'air très solide. Vous avez dû vous en rendre compte en passant dessus. Si vous faites un double saut dans cet entonnoir et que vous lancez une super attaque piqué-flamme, en appuyant sur attaque secondaire durant votre chute, vous ferez exploser cette dalle en 1000 morceaux. Et qui sait ce qui se cache dessous? Hein, qui sait? Vous avez vu ça? Une vraie comète, je suis sûr que les légionnaires n'aimeraient pas ça. Il faut que vous sautiez de suffisamment haut pour lancer cette attaque. Dès que vous trouvez un entonnoir comme celui-ci, que vous pouvez faire un peu de trampoline, n'hésitez pas. Double saut, puis attaque secondaire durant la chute. C'est moi qui m'amuse. Ah!
pas eu le temps de demander à un Romain où on pouvait trouver du bon sanglier dans le coin. Thank you.